Nous sommes aujourd'hui à Saint-Germain-la-Campagne pour des essais de la Fiesta RS WRC, la voiture que j'ai depuis 2015 et que je garde cette année en 2019. Donc nous avons la chance de pouvoir essayer la voiture à Saint-Germain. On remercie encore une fois M. Daniel Boulet, le maire de la commune, de nous permettre d'essayer nos voitures assez facilement et en toute sécurité. Le rallye La Côte Fleurie qui a lieu ce week-end s'annonce sous les meilleurs auspices avec une météo vraiment favorable, un grand ciel bleu apparemment et des températures élevées, donc ça va changer par rapport à certaines éditions qui ont été assez chaotiques niveau météo. Ça s'annonce vraiment bien, on va dire que pour nous qui roulons peu, limite c'est pas plus mal d'avoir une météo comme ça, ça va permettre de rouler plus vite et d'être vite dans le bain et moins sur la réserve, donc ça va être top. Après, le public va être aussi, je pense, très présent du fait de cette météo favorable. L'Hélène de Mer vendredi soir, j'invite beaucoup de monde à venir voir le spectacle en ville de nuit. C'est quand même un spectacle unique. Et moi qui roule partout en France, on a la chance d'avoir une spéciale de ce type. Et c'est vraiment assez rare. Donc faut quand même le noter. Et c'est bien que les gens puissent venir. Après, pour ce qui est de l'adversité sur le rallye, on est quand même avec un plateau assez exceptionnel cette année, avec 6 pilotes, on va dire, pour jouer le podium et la victoire. On va dire que mes adversaires principaux, Pierre Rague, qui a gagné l'an passé, son premier Côte Fleurie, voilà, aura à cœur de briller et essayer de remporter une deuxième édition sur une auto qu'il connaît bien, malgré que ce ne soit pas la même que l'an passé. On va penser à Stéphane Pustinic qui roule aussi avec une WRC, la deuxième du plateau après la mienne. La DS3 WRC, certainement la meilleure WRC 1600 qui existe. Donc, même s'il roule, il n'a pas beaucoup roulé avec cette auto, il a gagné le rallye de l'Indre. Il pourra effectivement briller sur ce rallye et viser la victoire. Et je pense aussi à Thomas Chauffret qui a remporté haut la main le rallye de Pont-l'Évêque avec une R5 qui aura aussi à cœur de briller sur cette course. Je pense qu'il aura les dents longues sur cette course et il voudra montrer qu'il sait piloter, on le sait tous, et il sera très dangereux sur ce rallye. Après, il y a des outsiders, style Marc Amourette, même s'il connaît peu le terrain, qui peut aussi être dangereux. Je pense à Eddy Lemaître et Xavier Lemonnier aussi, même si Eddy a beaucoup roulé, il faut qu'il se mette vraiment en main la R5. Et puis là, Xavier a peu roulé, donc Xavier ça va être un peu plus compliqué, mais bon, il a une grosse expérience, Xavier, et il peut jouer aussi les troubles faites, en tout cas pour jouer le top 3. Voilà, donc c'est un rallye, en tout cas le 49e, qui s'annonce palpitant. Pour ce qui est de nous, on a déjà gagné 6 fois, si on peut gagner une 7e, au moins on aura le record de Joseph Bourdon. Voilà, c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est aussi ce qui fait que c'est palpitant. Voilà, en tout cas, c'est déjà une chance inouïe de pouvoir faire ce rallye de la Côte Fleurie, d'avoir la chance d'y participer. Voilà, donc que la fête soit magnifique pour tout le monde.